Madame Desforges cherche à savoir, en copropriété, qui est responsable de l'isolation? Eh bien, Madame Desforges, il est impossible de répondre à votre question sans plus d'investigation. Et ce, pour la simple et bonne raison que la réponse se trouve dans les documents auxquels nous n'avons pas accès. Mais vous, oui! Voyez-vous, les copropriétés sont divisées en deux grandes parties, soit les parties privatives et les parties dites « communes ». La réparation d'un élément d'une partie commune sera à la charge du syndicat de copropriété et, par conséquent, les frais seront assumés par l'ensemble des copropriétaires. Pour un élément d'une partie privative, c'est le copropriétaire en question qui devra s'acquitter de l'entièreté des frais. Mais pour savoir où commence la partie commune et où se termine la partie privative, il faut se référer à un document intitulé « La déclaration de copropriété ». C'est dans ce document que vous trouverez la réponse à votre question. Si toutefois vous avez de la difficulté à vous y retrouver, sachez que nous offrons un service d'analyse de documents de copropriété.